Hello, hello, comment est-ce? Moi bien grâce à Dieu et moi dis un grand merci avec tout le monde qui clique sur la vidéo ça. Moi j'espère que nous toutes nous en forme. Et nous retrouvons aujourd'hui avant de parler d'un sujet qui est vraiment intéressant, très intéressant, qui c'est comment éviter l'odeur vaginale. Si, par exemple, vagin gagne l'autre sens que vagin qui puis sentir qui nauséabonde, que ou pas qu'à respirer. Ou t'as supposé soit consulter un médecin ou bien gain l'autre bagaille ou capable faire naturellement qui pour calmer odeur si c'est pas une infection vaginale ou gain quelques astuces ou capable être en pratique pour calmer odeur tout naturellement. On suit. Faut moins une vagin avec odeur. Gen odeur vaginale parce que vagin pas vagin supposé senti vagin li pas ka gagner li pas ka gagner sent fraise ni sent mango ni sent kiwi ni un bon sent fruit c'est sent vagin la gagner mais yon vagin en bonne santé pas supposé gagner yon odeur nauséabonde li supposé senti vagin naturellement sent bon sent vagin li supposé gen. Premièrement, ou supposé prendre une bonne douche. Ça veut dire ou supposé doucher 2 à 3 fois par jour pour capable éliminer les bactéries qui accumulées dans la zone à côté vaginal vagin. Ça veut dire pendant journée ou souhait ou marcher ou souhait par exemple pour s'y rentrer et puis corps gain bagages sécrétés tout ça va permettre que yo vin créer odeur ou supposé laver corps 2 à 3 fois par jour pour éliminer bactéries ça l'eau laver ou supposé laver vagin avec de l'eau froide c'est encore mieux pour laver vagin avec de l'eau froide que de l'eau chaude parce que de l'eau froide là la brisserait vagin et puis li pas tuer bactéries bonnes bactéries qui dans corps parce que de l'eau chaude lui même la tuer bonnes bactéries qui dans vagin qui régulariser pH vagin yo. Comme nous connaissons déjà, vagin gen bonne li gen mauvaise bactéries. Bonne bactéries yo là pour combattre mauvaise bactéries yo et c'est eux même qui empêcher que ou yon déséquilibre hormonal et c'est eux même qui permettent que vagin toujours être en bonne santé, yo pas quitter et mauvaises bactéries proliférer pour gagner corps pour bonne infection. Ça veut dire supposé toujours protéger yo et puis toujours fait ça qui est bien pour permettre corps rester bien. Deuxièmement, ou capable changer ou deuxièmement ou supposé changer cortex ou chaque 4 heures à 5 heures de temps. Lorsqu'il y a un goût c'est le ça et odeur c'est une moment qui est plus agréable pour développer odeur vaginale parce que c'est pas sang en soi qui y a odeur mais c'est le sang arrêté l'accumuler passer plusieurs heures de temps la macérer c'est le ça sans lui-même lui vient prendre odeur et même odeur ça tout les capable même des fois sans arrêter trop tout les capable causer infection vaginale après règle on doit finir règle le finir après ça ou pour infection. Ça veut dire ou supposé toujours faire attention lorsqu'il y a un goût pour changer côté sous ou bien pour changer serviette hygiénique chaque 4 ou bien chaque 5 heures de temps. Lorsque change toujours essayer nettoyer zone là parce que on va pas retirer ça pour mettre l'autre encore. Sous pas la car c'est notre travail toujours essayer pour être si capable de gagner un wipes avant. Wipes yo utiliser pour petit bébé yo. Li encore mieux parce que li pa gen pile produit chimique ni trop grand additif là-dedans qui permet que li pa gen additif qui permet que li irrite peau li mieux sous choisi wipes pour petit bébé. Premièrement, l'abaissure toujours essayer de devant vers l'arrière, de devant vers l'arrière de façon pour pas permettre que ça qui sorti derrière pour l'entrée devant parce que si ça qui sorti derrière entre devant encore c'est gros catastrophe là-bas ou infection vaginale. C'est ça qui fait toujours bon pour si de devant vers l'arrière et puis essayer si très très bien nettoyer très bien pour pas quitter ces crasse de façon même ces crasse ça qui vient accumuler yo causer odeur vaginale
Et puis, troisièmement, je pense que pipi, les noirs pipi, c'est par exemple mon travail jusque-là, soit travail, ou capable, pendant le pipi, toujours marcher, je me dis, toujours marcher avec un petit pas quitter tes gouttes pipi tomber dans le culotte. Vous supposez toujours sécher très bien, vérifier combien c'est chaud, parce que pipi ça, tes gouttes pipi ça, c'est le même qui peut causer odeur plus tard. Bon. Si vous mettez un robe ou bien si vous mettez un jupe, n'en pitez pas qu'à supporter l'odeur ou même moi pour mon tête, parce que si vous m'avez dit à beaucoup de gens, il y a vraiment des qui s'accentuent comme ça. Parce que l'odeur commence à dégager et la monter. Elle a monté, elle va avoir besoin qu'on ait. Si c'est quelqu'un qui l'a, si pas quelqu'un qui l'a monté, ça veut dire que vous devez toujours faire attention. L'offre pipi. Pour essayer, même genre avec ces mêmes méthodes, avec l'organisme, pour essayer de devant vers l'arrière. Et puis, pour permettre que pipi a pas accumulé pour pas causer odeur. Après ça, c'est culotte pour mettre sous. Vous supposez toujours mettre une culotte en coton. Culotte en coton, c'est lui-même qui permet l'aération en fait pipi dans la zone vaginale là. Ça veut dire les finito les un petit goût de l'eau ou bien un petit goût de perte tomber là-dedans, les sécher plus rapide. Vous supposez utiliser culotte en coton. Le soumet string pas quitter le fan pile temps sous ou bien l'étape conseil pour moun pas mettre string tout et puis panta tout bon on trouve ça li entre trop par exemple li entre net net bah, bon même particulièrement m'pa même mettre panta c'est normal m'je serais mais les mettre en culotte sous me sentir mal à l'aise me sentir bien m'pa même mettre type de culotte ça je mettre culotte en coton et li bon pour moi li permet que partie aération li fait très bien ou capable toujours essayer tout pas mettre rad qui trop serré sous parce que rad qui trop serré permet que pas quitter vent entrer et les vent pas entrer à tout grand bah la fait chaleur en dans la chaud et puis la dégager odeur pas mettre pantalon qui trop serré pas mettre jupe qui trop serré pour permettre aération fait dans corps de façon pour tout soit fait pour je sentir libre dans corps sentir bien normal bien adapté. Il y a des solutions naturelles ou capable de faire qui vous permettent que l'odeur aille naturellement. Dans le droit faire les débolas, vous pouvez utiliser un petit vinaigre blanc ou mettre la dedans et puis le faire toilette ou avec et puis l'odeur partir. Si vous avez vinaigre blanc, vous pouvez mettre vinaigre de pomme ou bien vinaigre de cidre et puis dès que vous faites les débolas avec, vous mettez un petit peu, mettez un pile, mettez un petit petit et puis vinaigre là odeur parti tout. Sou pa gen vinaigre de pomme bien vinaigre blanc ou capable utiliser bicarbonate. Bicarbonate là, dès pour mettre un petit pincé bicarbonate dans l'eau fait toilette toi ou utiliser le laver corps bien laver avec et puis regarde ou pas voir pièce odeur encore. C'est regarde ou pas voir pièce odeur encore. Pardon. Et puis, souvent, il y a une pièce de base qui a utilisé girofle. Girofle, vous pouvez prendre un petit girofle, vous mettez le dans de l'eau et puis vous permettez de quitter le fait tremper dans l'eau. L'elfe tremper, vous pouvez faire toilette de bord avec l'eau. Ça permet que l'odeur partit naturellement. Quand il y a des gens qui remet l'odeur vagin, il y a des gens qui ne remettent pas, mais il y a des gens qui remettent tout. Ça veut dire que gen moun ki di ke li eksite ou seksuellement parce que li gen fe ou mod ki li devlope ki permet ke li konekte avek cerveau gason ki degaje odea le moun apre set li eksite moun nan seksuellement li vin eksite moun nan seksuellement bon sa chak moun gen fason pa yo, chak moun gen sa ou reme avèk sa ou pa reme, e chak moun gen bagay ki eksite yo. Mwen di yon gran mèsi avèk tout moun ki tap sou videyo wa, mwen de nou sil vou ple abone avèk chanel la, pa bliye kite yon komantèr, kite yon pouz ble, pou nou kapap kontinye fè travè la. Mwen di mèsi, e mwen souwete ke nou rewè ankò trè bientò. A la pochèn. Bye bye.